beaucoup de temps. Je suis un content creator pour Bold Esports. Moi, je suis en grosse partie du Valorant. Sinon, des fois, ça va être sur Apex ou ça peut être d'autres jeux en variété. That's content creator for Bold. De base, joueurs Axis, mais je fais du Valorant. Pour rentrer plus sérieusement le stream, pour rentrer plus sérieusement aussi dans mon gaming, parce que c'est quelque chose qui m'entoure depuis tout le temps. C'est un monde qui veut être dans le monde, fait que ça peut être pratique. Pour ma part, je suis un peu fier malheureusement, je ne vais pas mentir, mais Able, c'est une équipe qu'on voit souvent avec le King Expert, par rapport au Québec, c'est quand même un qui est un peu plus connu que la plupart. Je me suis dit, ben go, je vais tenter ma chance d'essayer ça. Ça a toujours été un rêve d'être dans une heure qui est quand même assez connue ou aussi bien faite. Sur la rajouter, ça serait. C'est fun qu'on est tous des jeunes, la plupart, ou même si on a des âges différents, c'est quelque chose qui nous ramène ensemble, proche d'un autre. C'est facile de parler avec n'importe quelle personne, peu importe l'âge. Puis je trouve que ça fait, dans un événement, dans une langue, peu importe, que tu peux parler avec quelqu'un qui a 35 ans, tandis que tu en as 18 ou 19, puis tu peux avoir du fun avec cette personne-là. Je trouve ça super. On a une communauté proche de ça. Sinon, tu perds les gens ou ça intéresse moins les gens. Fait que c'est toujours faut surpasser. C'est des fois, c'est compliqué de trouver des nouveaux contenus à faire, mais on se débrouille tout le monde. Je dirais la consistance. Très dur de toujours faire de quoi à tous les jours, à une telle heure. Que ce soit un TikTok à tous les 2-3 jours, faut pas oublier de le faire, faut que tu fasses un montage pour. Fait que la consistance, d'après moi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont de la misère en tant que creator. Ça serait de, comme vous avez dit, de continuer, d'essayer de s'évoluer, peut-être aussi de trouver des idées, quelque chose de différent pour que les gens à plus de visuel, que ce soit faire un personnage ou peu importe, des petits tournois toutes les semaines ou une soirée en particulier avec ta communauté, peu importe, trouver une idée différente des autres pour se faire un match. So take this ring and hold on tight, we're gonna live forever. Moi, ça serait vraiment plus de parler avec les gens. Depuis que je suis jeune, depuis 14-13 ans, je fais de l'art dramatique. Fait que parler à beaucoup de gens, communication, j'adore ça. Puis c'est une bonne façon en chine de parler à des gens, que ce soit des inconnus ou peu importe, d'avoir toutes sortes de sujets, autant les aider que juste avoir du fun. Puis autant join une org, puis aller dans des événements, parler à des gens, rencontrer des gens que j'ai jamais connus, faire des contacts plus tard dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Keep us out of sight. We're all dreamers, dreaming of a good life. But there's something. Parce que je change beaucoup de jeux aussi. Genre, je passe de certains FPS à beaucoup plus de jeux comme League of Legends. Comme ça, mais j'ai pas de streamer préféré. Mais j'aime bien donner un peu de view à tout le monde. Pour ma part, ça serait excusé. Je trouve que c'est un. Il y a eu une fin parce qu'il fait un peu idiot, puis il fait un petit peu n'importe quoi, mais je trouve que s'il y a autant de monde qui le regarde, c'est parce qu'il y a un côté aussi qui est drôle, puis que c'est toujours intéressant à regarder.